I don't know what that dream is that you have. But that dream that you're holding in your mind. Possible. Bonsoir. Ceci n'est pas un ballon. Oui, je sais, dit comme ça, ça peut surprendre. Et pourtant, sachez que ça n'est pas nouveau. En 1948, déjà, George Orwell écrit ces mots. Le sport, c'est la guerre sans les balles. Une punchline plutôt efficace, vous en conviendrez. Eh bien, sachez qu'elle est loin d'être anodine. En effet, le sport est une arme. Alors, évidemment, le sport n'est pas une arme traditionnelle. On ne fait pas la guerre avec une raquette de tennis ou un ballon de basket. Non. Le sport est une arme de puissance douce qui sert à influencer le monde. Et cette arme, tout le monde peut s'en servir. Les États, les entreprises, les clubs de sport, les associations, les médias, moi, vous, et peut-être surtout vous. Mais ça n'est pas si simple. La plupart du temps, le sport est utilisé par les puissants et ignoré par d'autres qui le sont moins. Dès lors, il est à l'image de ceux qu'il contrôle, coûteux, polluant, inégalitaire. Et nous, aujourd'hui, nous allons essayer de penser l'inverse. Un sport abordable, écologique et inclusif. Ensemble, je vous propose que nous essayions de penser le sport du futur. Je m'appelle Lucas Aubin, je suis chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi les deux? Et vous avez raison de poser la question. En fait, croyez-le ou non, mais de mon point de vue, il n'y a pas mieux que le sport pour essayer de comprendre un pays et sa géopolitique. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes dans les années 2010. Je vis en Lettonie, en Russie, en Géorgie. À chaque fois, c'est la même routine. J'établis ma base, je cherche le club du coin. Football, volleyball, escalade. Et je me souviens, en Lettonie, je ne parle pas letton. En Russie, je parle mal le russe, et en Géorgie, je ne parle pas géorgien. Mais qu'importe. L'important, c'est de rencontrer des gens. Et avec mes camarades, sur le terrain, on se comprend. Une passe, une feinte, une victoire, une défaite, des sentiments en commun, et nous devenons amis. Le letton, le russe, le géorgien viendront plus tard. En fait, notre langage, nous venons de le trouver. Le langage du sport. En fait, je vais vous dire une phrase importante. Le sport, c'est la meilleure façon de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors, à force de pérégrination, d'expérience, de questions, je commence à me demander, mais qu'est-ce que le sport?
Alors, je fais ce que font les chercheurs dans ces cas-là. Je fais un état de l'art, une bibliographie, je lis des ouvrages par dizaines, je prends des notes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. J'écris des articles scientifiques, je passe 5 années à rédiger une thèse sur la géopolitique du sport en Russie. J'écris quelques ouvrages, et finalement, après 10 années de travaux, je suis en mesure de vous dire ces quelques mots, même si on n'est jamais tout à fait sûr de rien. Le sport est un fait social total qui touche le monde entier, qu'importe l'origine sociale, le lieu de vie ou l'âge, qu'on le veuille ou non. Le sport est partout. Tout le monde connaît Kylian Mbappé, Serena Williams, Roger Federer. Tout le monde a déjà essayé de taper dans un ballon. Tout le monde, ou presque, s'est à un moment donné pris pour un athlète de haut niveau dans la cour de récréation. J'ai dit ou presque. Alors vous me direz, oui, Lucas, c'est bien beau tout ça, mais le sport est un fait social total qui touche surtout les pays occidentaux ou les grandes villes. Eh bien, pas tout à fait. Si vous allez en Amérique latine ou en Afrique, souvent, le football est quasiment une religion. Si vous allez en Océanie, tout le monde est touché par le rugby. Si vous allez en Asie, les arts martiaux sont omniprésents. Non, je vous le répète, le sport est partout, même dans les coins les plus reculés. Pourtant, je vous l'ai dit, ceci n'est pas un ballon. Ou plutôt, ceci n'est pas qu'un ballon. À l'époque de l'Antiquité grecque, déjà, les cités organisent ce qu'on appelle les Jeux panhelléniques. Vous savez, les anciens Jeux olympiques. Tous les 4 ans, elles se rencontrent entre elles pour savoir laquelle est la plus puissante. Finalement, vous me direz, rien n'a changé. Alors en fait, beaucoup de choses ont changé. Quelques siècles plus tard, les révolutions industrielles du 19e siècle participent à la création du sport moderne tel que nous le connaissons. Et un homme, plus que les autres, va faire la révolution. Un Français, figurez-vous, Pierre de Coubertin. En 1896, l'homme crée les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne à Athènes. Alors, cocorico ? Eh non, pas tout à fait non plus. L'homme a une idée. Séparer le sport de la politique pour rassembler les peuples. Sur le papier, l'idée est belle, magnifique même. C'est ce qu'on appelle une utopie. Pourtant, Coubertin est un homme de son temps, et je mets tous les guillemets qui s'imposent. S'il décide que le sport et la politique doivent être séparés, il construit les Jeux olympiques et paralympiques, qui viendront plus tard, à son image. Et celle-ci, son image, elle est politique. Il interdit les femmes d'y participer, tout comme les colonies. Les pays invités sont occidentaux et les sports pratiqués sont européens. Finalement, l'universalité a ses limites que les empires et la misogynie de l'époque imposent. Et ça porte un nom. C'est le piège de Coubertin, autrement appelé la politique de l'apolitisme. Et ça perdure encore aujourd'hui. Pourtant, malgré ce hiatus, malgré ce piège, le sport va conquérir le monde comme rarement un phénomène social ne l'a fait dans l'histoire. Et mieux que ça, il va devenir partie prenante de la géopolitique et des relations internationales. En 1934, Benito Mussolini fait de la Coupe du monde de football en Italie un élément à la gloire de son image. 2 ans plus tard, en 1936, Adolf Hitler
fait des Jeux olympiques de Berlin un instrument pour glorifier le régime nazi. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique font du sport l'avant-scène de la guerre froide. Puisqu'on ne peut se tirer dessus, alors on se fait la guerre à grands coups de médailles. C'est quoi le sport déjà ? La guerre sans les balles. Depuis 1991 et la chute de l'URSS, les choses ont bien changé. Désormais, le monde est multipolaire et des pays comme la Chine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Brésil s'ajoutent à la France, à la Grande-Bretagne ou à d'autres pays occidentaux. Et finalement, comme dans de nombreux domaines, le sport se désoccidentalise à mesure qu'il devient de plus en plus politique. Mais que nous dit le sport du monde aujourd'hui ? Principalement deux choses, à mon sens. Premièrement, le mouvement sportif mondial représente 2% du PIB de la planète. Deuxièmement, les méga-événements sportifs, comme la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques et paralympiques, sont regardés par la moitié de l'humanité. C'est bien simple, il n'y a pas d'équivalent. En fait, ça s'explique. Le sport fait rêver, et du coup, il fait acheter. Et c'est ainsi qu'il est devenu un instrument géopolitique de premier plan. Certains l'utilisent pour diffuser leur influence à l'international. D'autres en font un vecteur cathartique pour contrôler leur population. D'autres encore créent des maillots hors de prix qui sont déjà périmés l'année suivante. Finalement, vous me direz, le sport ressemble davantage à un cauchemar qu'à un rêve. Eh bien, pas tout à fait. En fait, ça n'est ni l'un ni l'autre. Le sport est simplement notre reflet, et il est, comme le monde, à la fois la guerre et la paix. Et nous, je vous l'ai promis, nous allons penser ensemble le sport du futur. Le sport de la paix, bien sûr. Et en fait, spoiler, je vous ai un peu menti. Parce que ce sport du futur, il est déjà là. Il est déjà présent, tout autour de nous, prêt à l'emploi. L'écologie. Les grands événements sportifs peuvent servir d'instrument pour penser le développement durable. Et de nombreux progrès sont visibles. Les scientifiques ont déjà des plans. Encore faut-il que les dirigeants du sport s'en emparent. S'il faut penser la question climatique de façon globale, le sport se doit d'être à l'avant-garde. La guerre. Le sport peut servir de plateforme, de communication entre les dirigeants, les pays, les peuples qui ne peuvent pas communiquer autrement. Et les villes, en ce sens, doivent servir de lieu d'échange, justement, entre ces différents États. Alors, rapprochez-vous de vos mairies, plaidez pour un sport pacifique, pour son usage en tant qu'instrument diplomatique positif. Les droits humains, eh bien, ils sont évidemment au cœur de ce sport de demain. Aujourd'hui, le monde a les yeux rivés, généralement, sur la façon dont les minorités sont traitées dans le sport de haut niveau. Et on ne compte plus les associations comme Kaboubou, Unicité, qui utilisent le sport comme un vecteur d'inclusion pour rassembler les peuples, les minorités, les personnes en difficulté. Alors engagez-vous, rapprochez-vous d'une association, de votre rue, de votre quartier, de votre région, et participez à la construction du sport liant, de celui qui crée des ponts plutôt que des barrières. Et allons sur une évidence. Tout le monde, ou presque,
fait du sport, a fait du sport. Surtout les jeunes, les enfants. Les vôtres, peut-être, ceux de votre entourage, de vos amis, de votre famille. Et pour cause, le sport est un vecteur éducatif majeur. Mais je crois qu'il est temps de repenser notre modèle sportif et les vertus qu'on veut y associer. Longtemps, on était dans le culte de l'ultra-performance. Je crois que désormais, il faudrait y associer la bienveillance, la tolérance et l'ouverture vers l'autre. En fait, c'est le sportif amateur, c'est la sportive amatrice d'aujourd'hui qui va permettre de construire le sport professionnel de demain. Finalement, le sport n'appartient à personne. Ou plutôt, il appartient à tout le monde. Chacun peut s'en emparer pour défendre une cause en laquelle il croit et essayer d'améliorer le monde qui l'entoure. Écologie, droits humains, égalité entre les hommes et les femmes, droits des minorités, rassemblement des peuples, paix entre les nations. Le sport peut servir à tout ça. Le sport du futur doit ressembler à ça. Alors, je vous l'ai dit, ceci n'est pas un ballon, c'est une arme. Et cette arme, tout le monde peut s'en servir. Les États, les entreprises, les clubs de sport, les associations, les médias. Moi, vous, surtout vous.